Friday, November 8th, early summer in Angola. In the heat and the wind, the Porto Mbuim shipyard prepares to witness a major event. After 3 years of work, the construction of a 400-metre quay, the installation of Africa's biggest crane, the Pionel Yard is finally ready to welcome FPSO Clove. This evening, having come from Korea, the vessel will make its appearance 5 miles out to sea. It will then dock at Pionel for several weeks. The final module, built at Pionel, will be lifted and integrated onto the vessel. After a long day of preparations and last-minute checks, the yard is ready to welcome the FPSO. The Total teams are growing impatient. On est à H-4. Ouais, H-4. Et alors? Dans 4 heures, on verra le bateau arriver. Seulement, il fera nuit. Donc, on espère qu'il aura de grandes lumières, des belles lumières, pour nous indiquer qu'il est là. Exactement. Voilà. Et nous aussi, on sera là, pour le voir arriver. It is now 7 p.m. Night is falling on Porto Mbuim, when suddenly, after a 75-day voyage, the FPSO lights up the horizon. A unique spectacle. Want to see it over there? That's it. That's a big boy getting close. Ça y est, il est arrivé. Ouais, ouais, il est beau quand même. Hein? Ça va faire, ça va prendre beaucoup de place dans notre petit yard. Après 3 ans d'attente, on est content qu'il arrive, quoi. Et puis, c'est vrai que c'est un peu émouvant parce que il lui manque un petit morceau et ce petit morceau, ben, il est là. On l'a construit nous et puis on va le poser dessus. Donc c'est bien. On est content. En gros, subversé quand même. Pionel va recevoir le projet Clove, le FPSO Clove, le premier. Après Clove, il y aura d'autres, mais ça va rester dans l'histoire. Ah oh ben là, c'est émouvant là. Hein? On arrive, le FPSO arrive. Ouais. Donc ça, c'est la grande étape. La grande étape pour le FPSO, hein. Pour le FPSO, pour le pays, pour Pionel. Ouais, pour tout le monde, hein. Tout le monde. Saturday, November 9th, dawn breaks over the Angolan coast, and the teams are already in place to welcome the FPSO. A delicate maneuver, requiring the mobilization of 6 tugs and lasting over 5 hours. It's huge, it's massive, it's unbelievable. Human beings can create things like this. Engineering is something, it's something. C'est une grosse émotion déjà, parce que je suis arrivé sur ce yard et c'était un bout de plage. Et avec 80 mètres de quai, il n'y avait rien. Et voilà, je vois que 3 ans après, ben, on est prêt à accueillir le FPSO. Le FPSO est bien arrivé, les opérations sont passées parfaitement, tout est maintenant bien amarré. Et bon, le risque, c'est la météo dans ce genre d'opération et on a eu la chance de bénéficier d'une excellente météo. C'est la première fois qu'un FPSO arrive à quai en Angola. Il va y avoir une intégration de modules dessus avec ce qui est la plus grande grue d'Afrique installée ici. Donc c'est une étape fantastique dans le chemin du local content. With the FPSO now docked, a new challenge awaits the Pionel and Clove teams. The lifting operation for the water treatment module will take place in a few days' time, and numerous checks still need to be carried out. The objective today is to actually perform a physical check of the lift area and check for any clashes. Even though we model it, we'd like to do a physical check as well. We always have to go through and double check. We never take anything for granted, and that's why we're up here checking ourselves. The old adage, measure twice, cut once. On the ground,
The rigging teams are gearing up for action. Clevises, lifting beams and slings. In all, the rigging weighs over 78 tons, and the operations will continue until nightfall. Sunday, November 17th. In a few moments, for the first time in Angola, the Jamba crane will lift a module of almost 2,000 tons and place it on the FPSO. The lifting operations took almost 4 hours, and with centimeter precision, they went off without the slightest problem. For the CLAV project, it was a major step, accomplished with success. On l'a vu dans l'opération, mais ça a été extrêmement bien préparé et la journée était très sereine. Il n'y a pas eu d'énervement à aucun moment. Tout s'est bien passé, tout s'est passé comme c'était prévu, j'ai envie de dire. Et ça, c'est uniquement parce qu'il y a eu une grosse préparation en amont de toutes les équipes, essentiellement l'équipe du chantier. Bravo à eux, ils ont fait un très bon boulot en amont. Je pense que c'est un sentiment d'énorme fierté pour tous les acteurs, toutes les équipes qui ont travaillé, que ce soit en Corée, et surtout les équipes qui ont travaillé ici sur le yard de Painal et qui voient cette réalisation se concrétiser. Voilà ce qui était des plans, une idée au départ. Ben voilà, c'est un module qui est intégré sur ce quatrième FPSO du bloc 17. C'est vraiment une grosse satisfaction, une très belle fierté pour toutes ces équipes-là.